Salut à tous, c'est Lidora, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et dans cette vidéo, un nouveau code cadeau est à nouveau tombé. Je vous annonçais il y a quelques jours que Gameloft clôturait la saison des dons en offrant un dernier code cadeau. Il s'agissait de leurs propres mots, et bien non, ce n'était pas le dernier. Un nouveau code est encore tombé et c'est tant mieux pour nous. Attention qu'en ce qui concerne l'event de fin d'année, avec la pêche des poissons festifs ou encore les quêtes à réaliser, il est encore possible de les faire jusqu'au 31 décembre 2023. Mais ne tardez tout de même pas à les faire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai consacrée entièrement à cet event afin que vous puissiez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur cet événement de fin d'année dans Disney Dreamlight Valley. J'ai également consacré une vidéo entière sur l'ouverture des cadeaux de Noël en dessous du sapin. En plus de la première sur l'événement, donc j'adore cette période, c'est vraiment super sympa. Je mettrai les liens directement en description ici plus bas ou encore en fin de vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Je réponds également à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, je me fais toujours un plaisir de répondre à tout le monde. Et donc c'est parti pour le nouveau code cadeau à récupérer. Grâce à ce code, vous allez pouvoir obtenir de nouveau des meubles et des fenêtres décoratives sur le thème de l'hiver. Pour votre vallée. Ces meubles, ce sont deux fenêtres glacées, une tapisserie verticale château de glace, un siège refroidi et le canapé de glace. Vous allez voir, ils sont vraiment très très jolis. Je les placerai en fin de vidéo afin que vous puissiez découvrir à quoi ils ressemblent, même si malheureusement ils ne sont pas si originaux que ça, vous allez voir pourquoi. Donc voici le code SG Ice Items. Donc rendez-vous dans paramètres, aide. Insérez le code en un mot et en majuscule. Donc veuillez bien à ne pas faire d'erreur en l'encodant, sinon ça ne fonctionnera pas. Faites attention qu'il y a un S à la fin du mot et un Y entre le E et le I. Une fois le code inséré, bien rendez-vous dans votre boîte aux lettres pour récupérer les cadeaux hivernaux. Alors je les ai déjà disposés dans une pièce de la maison afin que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent. Donc voici les deux fenêtres glacées, la tapisserie décorative, et enfin le siège refroidi et le canapé de glace. Donc mis à part la tapisserie, bien malheureusement j'avais déjà tous ces meubles dans mon inventaire. Voilà pourquoi je vous disais qu'ils ne sont pas si originaux que ça. Je pense qu'on a dû les recevoir quand on faisait les quêtes de Elsa et Anna, donc ça date quand même du tout début du jeu. Le bon côté des choses, c'est que je ne devrais pas les acheter chez Picsou si je souhaite refaire une déco avec eux. Et je les ai disposés également dans la pièce où j'avais déjà placé les items reçus en cadeau via un précédent code. Je mettrai également le lien vers la playlist des codes cadeaux en description de vidéo si vous ne les avez pas encore échangés. Je suis vraiment ultra fan de cette fenêtre enneigée, elle est vraiment très très jolie. Voilà pour ce code cadeau, j'espère que la vidéo a pu vous être utile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est le cas. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes les vidéos que je publie. Moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année 2023. Prenez soin de vous et de vos proches, je vous dis à très bientôt, c'était Lidora, salut salut!